Hey, 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 cucu, cucu, bienvenue pour ce nouvel épisode du Glito Beauty Legacy Challenge. Mais ma cocotte, tu voulais pas faire à manger? Oh, c'est dégueulasse ça, ça a pourri. Tu vas faire servir le petit déjeuner des toasts avec des œufs. Ah, tiens, si toi t'es levée, par contre tu pues. Donc si tu pouvais aller te laver, ça serait pas de refus, sinon le petit déjeuner, on va le gerber direct, ma belle. Aujourd'hui, je crois que nous. Fêtons l'anniversaire de Solveig, nous allons voir à quoi elle ressemble. Et Tilda, elle, c'est dans 3 jours. Donc ce sera, je pense, pour l'épisode prochain. C'est-à-dire que les votes vont arriver très 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 rapidement. Mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. Déjà. Et ce sera, je vous le rappelle, les tout derniers votes de ce challenge. Donc il faudra vraiment choisir avec réflexion. Qui est vraiment la plus jolie, le plus beau visage pour pouvoir faire des plus beaux visages encore derrière pour la dernière génération? Ça risque d'être sympathique tout ça. Aujourd'hui, c'est la journée du jargon de pirate. Arrgh. Vous imaginez, je ferai un épisode de temps en temps où je parle comme ça. C'est complètement débile. Arrgh. C'est débile. Mais bon, c'est rigolo, quoi. C'est les Sims en même temps. Ouais, elle déprime de ouf, quoi. Bah, insultez, mince, non. Insultez pas. C'est pas ce que je voulais faire. Partager des secrets, se plaindre du jour. Ouais, voilà. Comment so Demandez comment le vent souffle. Genre, alors, mes petits culs, comment le vent souffle aujourd'hui? Ils parlent tous comme ça, c'est ridicule. Ah, c'est rigolo, oh là là. Mais bon. Veux dire, à la fin de la journée, tu sais même plus comment tu t'appelles parce que t'as parlé n'importe comment toute la journée, quoi. J'ai tellement hâte de voir ce que Tilda va donner. Aïe, 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 parce que j'ai l'impression qu'elle ressemble vachement à sa mère rouquine. Donc pas à Odile, mais à l'autre. Donc je suis curieuse. Curiosa, je suis. Comme ça, on voit un peu le premier échantillon de nos filles. Ouais, l'autre, on ne voit pas parce qu'elle a ses cheveux. Philippine et Rosemonde. Ça en dirait des copies conformes, quoi. C'est hallucinant. Ah, Solveig clignote. Donc, on va commencer. Préparer un ragoût. Un ragoût de chocolat, gâteau au chocolat, et on va inviter un peu tout le monde, hein, comme d'habitude, pour faire l'anniversaire de Solveig. Ah mince, les croquettes du chat. Oh, tristesse. Et voilà, le gâteau est prêt. Et on va pouvoir inviter, ouais, parce qu'il pleut, hein, l'été c'est fini. Pour une fois qu'on a eu un bel été, tu vas commencer à appeler pour bah, tout simplement organiser un événement social. Eh ben oui, c'est vrai que vu qu'il n'y a pas... tu vas préparer des pâtisseries, du biscuit au sucre. Vu qu'il y a déjà la journée du jargon de pirate, ben... On peut pas faire un vrai anniversaire, j'avais oublié ça. Hein. Qu'est-ce qu'elle a, la piotte? J'allais dire, le chat va avoir peur, mais il n'y a plus de chat. Oh ben dis donc, c'est que tout le monde va super bien. Ah non, il y a encore le truc qui est cassé ici. C'est pas possible, hein. Hop! À qui la confiance pâtisserie. Ouais, on va attendre que les gens arrivent et puis on va commencer l'anniversaire tranquillement, bimement, et savoir à quoi Solveig va ressembler. Oh mon Dieu! Oh mon Dieu! Mais vous imaginez, Odile n'est même pas adulte! Oh non, Norman! Oh mon Dieu! Oh la tristesse! Oh là là, vraiment c'est une tristesse infinie. Bon, voilà un peu tout le monde. Et elle, elle est triste comme pas deux quoi, c'est affreux. Est-ce que tu peux, voilà, essayer de la réconforter. On va essayer de réconforter la petite. Parce que sinon c'est pas très bien, trop super, hein. Oh là là! Mon Dieu, mais elle est dégueulasse. Oh, tiens, cousin, viens dans mes bras, alors je pue la boue dégueu, là. Je pue le caca.
Et j'avais oublié d'inviter la mère parce que en fait je savais plus que c'était elle sa mère. Donc mais et donc elle a bien pris dans la tronche aussi, hein. Ouh là là, ouh là là, ouh là là, hein, ça fait mal, hein. Ah, vous avez vu la fille d'Iman et de Norman? Elle a un look de ouf. Elle ressemble bien à sa mère, quoi. Et à son père de visage. Mais arrête de bouger, bon sang de bonsoir! Regardez-moi, c'est ce look, quoi. Ah ouais, ça le fait. Ça le fait bien comme il faut, quoi. Bon, toi, tu vas mieux? Pas trop. Tu vas demander conseil. Maman, tu peux la réconforter. Voilà, c'est comme ça, au moins, ça ira mieux. Avant qu'on fête l'anniversaire proprement dit, avant qu'elle souffle ses bougies. Bon, allez. Quand Alexandre aura fini d'aller dans les meubles, on va fêter. On va souffler les bougies. Allez, viens, ma belle. On a hâte de savoir. On a hâte de savoir ce que tu vas nous faire. Ta mère, elle a quoi? Elle est méchante, génie et active. Ok, on va peut-être essayer de mettre un trait. Happy birthday! Comment c'est laquelle déjà? Solveig! Ah mon dieu, je perds la tête. Ouh! Elle a pas l'air d'avoir le même nez que ses sœurs. Regardez-moi ce qu'elle a l'air mignonne. Alors, elle est déjà créative, j'avais dit méchante, active. Ah bah tu vas être active alors, je trouve ça bien. En aspiration, tu vas devenir une amie de tous. Ou une célébrité. Allez, une as des blagues. Oh ma zette! Oh le look est à chier, hein. Mais... Arrête de faire la tête, s'il te plaît. S'il te plaît. Fais pas la tête. On sera obligé de te juger. Regardez-moi ce profil. Pour l'instant, à malgré ses yeux du démon, elle est magnifique, hein. Elle est très très belle. Toi, tu devais pas fêter ton anniversaire aussi? Oh là là, oui. Elle va devenir adulte. Oh là 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 là. Ouais, mais ça va se jouer à très peu de choses. Donc c'est vrai que dès que Tilda deviendra ado, le compteur va s'arrêter au niveau du temps parce que si c'est Philippine que vous élisez, je suis pas sûre parce que... Non, c'est pas elle en plus. Je pensais que c'était Philippine. Philippine, elle est là. Ah, je suis pas sûre que ce soit elle que vous choisissiez parce que j'ai eu des commentaires qui me disaient que déjà ils préféraient Rosemonde. Mais là, Solveig? Oh my god, hein. Oh my god, elle ressemble bien à sa mère. Donc sa mère qui est Amandine. Voilà, à elle. Bon, là, elle est vieille, hein, mais c'est sa mère quand même, quoi. Voilà, tu vas pouvoir embêter ta mère un petit peu. Puis alors, quel look! Franchement, magnifique! Tu sais ce que tu vas faire, sinon, hein, si t'es triste, tu vas aller courir pour te vider l'esprit, parce que tu me casses déjà les pieds. Voilà, au moins ça c'est fait. Oh, et là, regardez! Regardez, regardez, regardez! C'est la deuxième fille, enfin la dernière fille de Norman. Ouais, t'arrêtes de boyer dans tous les sens. C'est Clémence, bah, qui vient de grandir, parce qu'au moment où je l'ai invitée, c'était encore une enfant, et là, bah, elle est devenue une adolescente aux cheveux courts. Donc, je sais pas ce qu'ils ont, mais ils ont tous les cheveux courts chez Norman. Toutes les filles ont les cheveux courts. J'avais oublié à quel point Sarah avait une tête bizarre quand même. Elle est pas moche, mais elle est bizarre. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que t'as fait, Odile? T'as fait un truc? C'est vrai que tu es une vedette débutante. Est-ce que tu veux signer des autographes aux gens? Non, pas encore, je pense pas. Mais bon. Voilà, c'était sympathique. Et puis, on a Solveig qui a l'air canon de chez canon, quoi. Reste plus qu'à voir Tilda. J'ai trop hâte. Tu vas te vider l'esprit. Va courir. Voilà. On va aller voir ton look, ton sublime look de sportive aussi. Attention. 3, 2, 1. Ah oh bah dis donc, je préfère quand t'es en sportive, ma belle. Oh bah dis donc, on a été nuls, hein. Récompense de bronze. Hein. En même temps, on n'avait pas d'objectif non plus. Alors? Ça va? Prends le courrier, tiens. What's up? Ouais. On est samedi, donc ça, t'as pas encore école le lendemain. Tiens, on va pouvoir vendre ça. Hop. Oh, bah super, des... On s'en fout, hein, t'as plus l'âge. Je sais pas si c'était pour toi ou pas, mais... on va vendre.
Et ma belle, tu vas pouvoir aller te faire relooker, puisque l'anniversaire étant fini, on va faire le ménage et tout ça, et puis on est bien. Et voilà, vous l'attendiez, la voilà, Solveig. Ouh, waouh! Franchement, belle gosse, hein. J'ai envie de dire, belle gosse, attendez, que j'enlève cette truc ridicule. Tac! Bon, ce qui me dérange, c'est les yeux rouges et les sourcils noirs, hein. Tu t'appelles pas Daenerys, ma belle. Tu as. Non, c'est le blond comme ça. Voilà. Mais je trouve que c'est. Pour moi, en tout cas, elle a. C'est elle qui a le plus beau visage pour l'instant des trois filles. À titre de comparaison, Rosemonde, qui est encore très très le visage de sa mère, Odile. Philippine, qui est aussi le visage très très fidèle de sa mère. Un petit peu moins finalement, ouais. Elle ressemble moins à sa mère. Bon, et Odile, elle a maigri hein, aussi. Donc, elle fait un peu plus adolescente, un peu moins adulte. Et donc maintenant, nous avons Solveig, qui est la seule qui a les cheveux blonds un peu dorés. Hein. C'est pas le blond très clair, c'est le blond un peu plus chaud. Malheureusement, les yeux rouges. Mais regardez-moi, elle est. Très jolie. Pour l'instant, je l'aime bien. Pour l'instant, je partirai sur elle, moi. Mais bon, allez, je la relook et je vous retrouve juste après. Et voilà pour le relooking de Solveig. Je vais lui garder la même coupe de cheveux parce que je trouvais qu'elle lui allait parfaitement bien. Voici la première tenue de jour. Donc, c'est la même robe que j'avais mise à Carla. Je me suis dit pourquoi pas la mettre en tenue tous les jours puisque je la trouve superbe et qu'elle lui va superbement bien. Première tenue de jour, donc deuxième tenue de jour. On était resté un peu dans les côtes bleues. Tenue habillée, tenue de sport, tenue de sommeil, tenue de fête, tenue de maillot de bain, tenue de temps chaud et tenue de temps froid. Et voilà pour la belle Solveig, qui est pour l'instant ma préférée du challenge. Non mais, sans être méchant quand même, Sarah Ugly, qui est la fille de Meryl, là comme ça, tout de suite là. Vous trouvez pas qu'elle ressemble vachement à un travelot? Quand même, hein! Moi, je trouve vraiment. Après, on peut faire des transgenres dans les Sims. Hein, on peut le faire dans créer un Sim, on peut. Sauf que là, je pense que c'est naturel du coup. Et là, j'ai l'impression de voir un homme maquillé en fille. Donc, c'est très très bizarre. Bref, c'était juste comme ça à part, quoi. Odile a fini un livre! Vite! Vendons-le à un éditeur! Allez, cocotte! Ta 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 ta. Oui, après, tu pourras aller aux toilettes si tu veux. Se soulager par-dessus bord. Merci, Odile! On va avoir des revenus grâce à toi. Un peu plus important. Là, c'est un peu tendu, hein? D'ailleurs qu'à lundi, on n'aura plus que la moitié de notre budget. Donc, ça va. Ça va faire mal. Il y en a deux qui ont décidé de rester squatter à la maison, quoi. Hein? Va peut-être falloir vous décider à partir, un de ces quatre, les deux, là. Les cousins. Oh non, je pense qu'ils vont s'installer là-haut. Tout va bien. C'est l'hiver! Donc, dans 3 secondes et demie, on est rempli de neige. Parce que glaçaille, possibilité de neige. Donc, oui, effectivement, ça va pas tarder, quoi. Oh non, mais Philippine est. Elle est déjà en train de clignoter, elle va déjà devenir une jeune adulte. Ouais, ça va beaucoup, beaucoup, beaucoup trop vite, Etilda, dans 2 jours. On y arrive, on y arrive. Et voilà, la neige arrive déjà. Ah, mais chez les Sims, l'hiver c'est neige, l'été c'est canicule ou orage. Voilà, c'est. Au moins c'est direct, hein. Ah, bah ça alors? Les filles, elles vont jouer, elles jouent toutes seules d'elles-mêmes. Aux fléchettes, mais t'es parti où toi? Pourquoi t'es parti dehors toi? Tu l'as gêné? Bah oui, mais faut profiter aussi d'avoir le balcon, c'est vrai qu'on n'y va jamais. Eh? Ah bah ça alors, un plombite. Et réclamer, étudier. Mettre dans l'inventaire. Réclamer. Ah d'accord, réclamer ça veut dire dans l'inventaire. Bah ça doit être les orages. 192 sniflouz. Merci, c'est bien gentil. Tiens, ah bah non, t'as déjà fait tes devoirs. J'allais dire, tu vas les faire, mais tu les as déjà fait. Bah écoute, Rosemonde, qu'est-ce que tu veux faire? Je ne sais pas.
Tu vois, là, il y a la neige qui va commencer à venir. Tu vas pouvoir faire un bonhomme de neige dans très bien, très peu de temps, dans ce beau dimanche ensoleillé. Mais ensoleillé, mais avec de la neige. Donc c'est pas logique. Bah, la neige, elle tombe de où? La neige, elle tombe de nulle part. C'est magique, c'est les Sims. Oh, notre petite île, que c'est mignon. Hey, t'as du mal à faire ton... T'as envoyé ton... Je sais pas quoi, ton sucre en l'air là? Elle est en train de faire son propre gâteau d'anniversaire, puisqu'il faut le fêter, sinon elle sera triste et ça va être chiant. Philippine, notre première née, notre première adolescente, déjà devient jeune adulte. Oh yo 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 yo, ça va faire mal. Niveau 8 pour Odile, ça c'est cool. Voilà, tu peux mettre tes bougies. Tes bougeaxes. Et on va appeler, on va appeler. Hé, hey, tu fais pas partie du groupe, toi. Ça, c'est pas normal. Ah bah oui, en plus, il n'y a plus beaucoup de monde. Alors, on va inviter bah, nos filles. Hein. Tac, tac, tac. Et tac. Ah oui, on peut pas la mettre. Et hop, nos trois filles sont dans la Ugly Family. Et on va commencer la réunion. Ouais, et tu vas appeler ton daron, parce que tu es la seule à avoir un papa. S'il n'est pas mort, non, il est encore là. Il est encore là? Toi, t'es pas venu la dernière fois, tu peux venir. Toi, tu peux venir. Oh, pastèque. Ouais, c'est déjà pas mal. Voilà, on va faire une petite fiesta. Petite, toute petite. Non! Oh non! Oh là là. Mon PC a failli planter. Elle aime la nature et les geeks. Et on choisit un trait. Surtel, allez hop. Bon, eh ben on a raté l'anniversaire. Ah, on a raté l'anniversaire. D'accord. C'était votre poignée de main, c'est ça? Au revoir. Non, on va pas faire balançoire, non, il fait froid un petit peu. Tu vois, voilà. Je suis dégoûtée. Bah, tu pourras enlever. Quoique non, on va le laisser dans le frigal parce qu'il va resservir pour la demoiselle là. Tilda, mais Tilda, si t'as froid. Mets ta super tenue de grand froid. Alors, coquine. T'inquiète pas, toi aussi, dans le prochain épisode, tu vas devenir une belle jeune fille. Aussi belle que tes sœurs, et ta mère, et tes tantes. Voilà. Ah bah, elles font quand même de la balance. C'est trop mignon. On va mériter, elle s'éclate quand même. Hein. Oh là là. Mais c'est qui ça? C'est Meryl? Waouh! C'est vrai que comme elle est vieille maintenant, j'arrive plus à. Mais ça fait du basket quoi, du basket en famille. Oh, Odile a fini un bouquin! Odile a fini un bouquin! Odile a fini un bouquin! C'est super, super bien! Odile a fini un bouquin! Odile a fi... À chaque fois qu'elle a fini un bouquin, elle doit pisser, vous avez remarqué. Et tu vas le vendre à un éditeur, Seigneur Chat au Conseil des Chats. C'est parfait, ça va être un best-seller celui-là. Bonjour Elijah, ça va de venir nous voir qu'on est en train de pisser? C'est sympa, hein? Je sais pas, qu'est-ce que tu. Voilà? En tout cas, t'es bien vieux, hein, maintenant. Voilà, ta fille est... Peut-être ton unique fille est devenue jeune adulte, surtout tourne-nous le dos, hein, c'est pas très très grave. Oh, Elijah. Bah oui. Est-ce que t'as d'autres enfants? Tu vois, tiens, on va aller voir ça. Oui! Il a Guillaume, un garçon, avec sa femme, Caroline. Voilà. Ben voilà. Voilà. Notre arbre généalogique de la mort. Lorelai, Cybelle, Heidi, Carla, Odile et les filles. C'est déjà pas mal tout ça. Oh là! Oh! Mais c'est une blague! Oh my god! Meryl est venue mourir à la maison. Elle a fait trop d'exercices. Mais pourquoi, Meryl? Pourquoi t'as fait ça? Oh, tu sais bien qu'à ton âge, ça va plus. Mais c'est vrai que ça fait partie des...
Qu'est-ce que tu fais, toi? L'un des objectifs du groupe, c'est de faire du sport, du basket. Ah oui, bah elle a un petit peu cumulé en fait. Et du coup, bah elle est bourrue. Voilà. Elle aura préféré mourir dans sa maison où elle a vu le jour. Non, Meryl, elle a pas vu le jour là. Meryl, elle a vu le jour dans l'ancienne maison. Voilà. Ouais, le jour de Noël en plus. Et là, on nous appelle pour dire que Meryl, sœur du Cho, est morte. Ben oui, je sais, elle est morte dans la chambre. Elle est morte là. Quelle horreur, mais quelle horreur. Ouais, personne n'a assisté à sa mort. Hein, donc, ça devrait aller, pour l'instant. Bah, en fait, ils n'ont pas assisté, mais ils ont quand même le message, donc ils sont quand même tristes. Parlons de sandwich au fromage fondu à la faucheuse, tiens. Bah oui, c'est agréable, voyons, une conversation sur avec la faucheuse. Présentation dragueuse, vas-y Odile, qu'on rigole. Ne fais pas de sport, Norman, je t'en prie. Je voudrais pas que tu meures. Elle en pleure de rire. Elle est morte de rire. Lol. Je crois qu'il s'en va. Eh, salut la faucheuse. Tarzan a été adopté par Free Fleming. D'accord, super. C'est très intéressant. Bon allez, on va mettre la fin à la réunion avant de faire avant de faire des des autres problèmes. On va mettre Tilda tout de suite dans le groupe. Voilà. Et on est bien. Les filles de la maison sont toutes là devant vous. Ouais, voilà, bien sûr. Je dis ça, il y en a une qui va bien sûr se bouger de derche. Bon allez, dégage, va te coucher. Vous allez pouvoir tout aller vous pioter, même si vous n'êtes pas fatigué. Parce que de toute façon, c'est comme ça. Et la prochaine fois, c'est Tilda qui grandit. Regardez-moi. Je pense qu'elle ressemblera vachement à sa mère rousse, avec le même nez, les mêmes yeux. On verra bien, hein? On verra bien. J'ai hâte de voir. Et je pense que du coup, prochain épisode, ce sera les votes, hein, directement. Ça arrive beaucoup trop vite à mon goût. Mais bon, c'est comme ça. Ouais, tout le monde est en train de se coucher. Toutes les petites filles. Allez, hop. Solveig, et il manque Tilda. Ah non, Tilda, elle préférait aller aux toilettes avant. Voilà. Ne te lave pas les mains, stop. Oui, allez, c'est bon. T'as arrêté de faire pipi. Au lit! En tout cas, j'espère que cet épisode vous aura plu. Rendez-vous pour le prochain, du coup, pour le dénouement et le voir de Tilda en mode adolescente. Et pour les votes, soyez au taquet, évidemment. Non, dors pas. Sieste, dormir, dormir, voilà. En attendant, je vous embrasse très très fort. Je vous dis donc à très bientôt pour la suite du Ugly to Beauty Legacy Challenge ou d'autres choses. Allez, salut.